Eh bien salut les gens, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter pas mal de bonbons. Alors je me dépêche, n'hésitez pas à vous abonner, partager les vidéos, regardez dans la description et bien sûr mettre un pouce bleu. Ça me ferait vraiment plaisir si vous voulez aussi mettre un commentaire, j'espère qu'il sera gentil parce qu'en ce moment il y a beaucoup de gens qui disent des trucs un peu méchants. Comme le Doliprane, t'as mal à la tête, prends un Doliprane, j'ai dû la supprimer et oui parce que malheureusement... Il y a une fille de ma classe qui n'a pas voulu que je la mette parce qu'elle précisait que c'était sur elle que je disais ça. Mais bon, bref, alors cette vidéo c'est pour voir des bonbons. Alors on va commencer avec... voilà, j'ai un peu... je pense que la qualité là d'écran elle est pas très bien. J'ai pas pu la régler. Voilà. Alors on va commencer avec ça. Donc bonbons Nerz, c'est américain. Et on va en goûter. Voilà, hop. Alors je vous précise, hein, Timo a déjà fait cette vidéo. Je peux pas trop vous montrer. Attendez. Attendez. Hop. C'est vraiment... Voilà. Donc c'est ce que vous voyez là. Oh, il s'est passé quelque chose. Alors voilà, donc c'est des bonbons comme ça. Donc on va goûter un bleu. Il est tombé. Un bleu. Très bon. Un vert. Très bon. Voilà. Il y en a plein qui sont tombés. Pardon. Après, on m'a demandé de faire une vidéo pour présenter donc ça. Pour présenter aussi un bonbon qui a été franchement bien adoré par les Français, je pense. Parce que là, les Nerz, en ce moment, c'est américain, mais ils sont à fond dedans. Les Nerz, ça devient meilleur, ça devient vraiment délicieux. Mais on a oublié un bonbon qui venait de France et qui est quand même délicieux. Alors c'est des Skittles au goût fruit. Donc moi j'ai pris un paquet comme ça, j'ai pas pris les petites boîtes. J'en ai pris deux. Bon là j'ai pris fruit, j'ai pas pris Crazy Fork. Donc on va commencer. Donc je vais prendre. Donc c'est des bonbons comme ça. Donc là il y en a un jaune. Un turquoise, on va dire, et là un orange. Bon, il y a aussi des violets, des verts, tout ça. Il y en a encore plein, mais j'ai pas. Là, je les ai déjà tous mangés. J'en ai mangé pas mal. Alors, on va goûter. Donc, je vais goûter un orange. C'est délicieux. Bon, par contre, je vais le recracher parce que sinon, je vais pas pouvoir vous parler. Voilà. Parce que sinon je peux pas vous parler et ça va être un peu gênant. Alors voilà. Après on va parler d'un bonbon qui était beaucoup ancien mais vraiment très très ancien. Je vais vous montrer. Alors, c'est celui-ci. Alors en fait c'est une petite barre. C'est américain. Hein. C'est américain, oui, c'est un bonbon très ancien américain. Donc c'est marqué le goût, donc là c'est goût amande, et moi j'aime pas les amandes malheureusement, il y avait goût cola, goût fraise, tout ça, je les ai déjà mangés. Mais celui-là vu que j'ai pas pu manger. Alors celui qui mettra beaucoup de commentaires gentils et vraiment des pouces bleus et qui s'abonnera, à part s'il est déjà abonné, franchement je lui donnerai. Je sais pas qui c'est qui aime bien les amandes, mais je l'ai eu au magasin ancien qui venait de la rue là-bas. Comment elle s'appelle? La rue Deal. La rue Deal, avant, il y avait un magasin de bonbons bon, qui a fermé. Mais avant, le nouveau qui est à côté de Subway, pas loin de chez Timo en plus. Alors, je fais de la pub pour lui, mais c'était là-bas que je l'ai eu. Alors, franchement, si quelqu'un en veut un, mettez beaucoup de commentaires, tout ça, et je vous les passerai. Après, donc, on va commencer sur un bonbon un peu plus basique. Donc c'est un bonbon nul, donc c'est ça. Alors c'est marqué Wertz original. Donc en fait c'est des bonbons où à l'intérieur il y a du chocolat. Après on va passer à trois sucettes différentes. Alors,
Là, on a la sucette fourrée le long. C'est une fourrée, ces deux-là, c'est américain. Et celle-là, c'est française. Celle-là, vous la reconnaissez tous. C'est une fraise basique et un truc basique. Voilà, c'est une sucette qu'on connaît tous, c'est français. Mais ces deux-là, c'est les plus rares parce qu'ils sont américains. Alors là, on en a une avec un chapeau. Une tête, oui, une tête. Et là, on a une autre avec des points et un espèce d'une écriture. J'arrive pas à lire parce que c'est juste marqué orange et après, c'est en américain. Alors voilà, après, on a une petite sucette. Ça, c'est une ancienne. Attendez, j'arrive au fait, je vais vous présenter. Pour certains qui aiment mon chien, je vous le présente. Voilà, Vanille. Alors, bah voilà, c'est Vanille. Donc, tout le monde la connaît, plus précisément dans mon école. Mais voilà, regarde Vanille, il y a la caméra. Bon, voilà. Pas sur mon lit. Voilà. Bon, alors après, on va continuer. Code coach. On va continuer, donc il me reste plus que deux bonbons. Donc celui-ci, qui a l'orange, qui est très basique aussi. Et celui-ci, qui est au miel. Mais qui est très bon quand même, parce que c'est un bonbon qui vient de Marseille, que j'ai gardé, mais que je jetterai bientôt, parce qu'il sera périmé. Donc voilà. Après, pardon pour la chaise, parce que c'est la chaise là qui ne fait pas être bien droit. Alors voilà, donc on a parlé des Nerz, du bonbon amande, du Werns original, du bonbon que je vais bientôt jeter, des 4 sucettes, les dernières, deux sortes, bien sûr des Skittles. Donc les Nerz, je vous montre pas la boîte et je paye pas parce que en fait tout va se renverser. Donc après là j'en ai encore des bonbons que je vous ai montrés, mais je les laisse parce que je vais pas tous vous les montrer. Bien sûr, on va garder un bonbon français qui a beaucoup marqué les Français. Donc, Vanille, arrête de faire du bruit avec tes pattes. C'est un bonbon qui a marqué les Français. C'est un bonbon qui pique. Arrête de bouger. C'est un bonbon qui pique et qui est très dur à casser avec les dents. C'est comme une sucette. Et franchement, c'est très bon, mais ça pique. Alors. Donc, je vais vous présenter avant. Donc, on a fait les Skittles, les Nerz, le truc amande, tout plein d'autres bonbons. Mais le seul truc des Français qu'ils ont aimé pendant près de 4 ans, les Nerz, ça vient juste de commencer. Les Skittles, ça a commencé et ça n'a pas resté longtemps. Mais ce qui marquera plus les ce qui marquera le plus les Français, c'est ça. Les têtes brûlées, eh oui! Donc, l'emballage est toujours fermé. Voici les têtes brûlées. Alors on retrouve toujours le logo. Donc en ce moment on a plus les têtes brûlées originales. Voilà. Donc ça c'est la tête brûlée originale. Ça c'est une tête qui crame. Mais après on a la pomme. On a comme ça. Là c'est au coca. Là on a la pomme et à la fraise aussi. Je l'ai dans le paquet. Mais dans des autres. Non, une ouverte aussi. Je vous les présenterai parce qu'après, je vais faire un défi. Dans une prochaine vidéo, je vais faire un défi. Manger 5 têtes brûlées en même temps. Donc voilà, ça c'est le bonbon qui a marqué le plus les Français. Bien sûr, il a bien changé quand même parce que maintenant ça existe en grande barre, en sucette en gros, en chewing-gum. Et oui, les chewing-gum têtes brûlées, c'est les bonbons les plus connus en têtes brûlées et les plus. Enfin, pas les plus, mais les meilleurs. Qu'on trouve maintenant. Alors ça c'est le paquet original. Donc ça c'est toute première tête brûlée. Ça c'est tout premier Skittles. Et ça c'est les tout premiers Nerz. Voilà. Mais bon là presque tout s'est renversé. Mais voilà. Alors bah je vous ai tout présenté les bonbons que j'ai achetés. Le total m'a coûté. Donc le total m'a coûté 7,49 7,49 €, donc c'est pas énorme. Franchement, pour tous ces bonbons-là, je trouve quand même qu'il y a beaucoup quand même. Et franchement, pour ça, on aurait pu. Je l'ai eu. Vous savez à combien je l'ai eu? Je l'ai eu à 20 centimes. Alors que c'est un bonbon américain et qu'il est très ancien. J'aurais été chez vraiment un particulier américain comme le magasin à côté de Subway, ta gueule. Pardon pour le gros mot, mais voilà. Vanille! Donc j'aurais pu l'avoir aussi à 1 euro, rien que ça à 1 euro, alors que j'en ai eu 5
pour un total de 20 centimes. Franchement, c'est exceptionnel. Et voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Et oui. Alors, comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à mettre des commentaires sympas. Et celui qui met des commentaires sympas et qui s'abonne, à part s'il est déjà abonné et qui met des pouces bleus, je lui donnerai ceci. Je viendrai chez lui en tête, il me marquera son nom et je verrai. De toute façon, il faudrait que vous ayez un compte. Au moins, je verrai votre compte et en même temps, il faudra que vous me donniez votre adresse. Chacun, tout le monde qui marquera un commentaire, à part ceux qui ne veulent pas l'avoir, marqueront un commentaire où il dira où il habite et comment il s'appelle et quel âge il a. Donc, au moins, j'irai le voir. Par contre, j'aimerais bien que ce soit quelqu'un de Saint-Quentin. Et encore, oui, quelqu'un de Saint-Quentin. Parce que voilà, j'espère que ce sera Timo, Loïs ou Paola. Parce que Loïs, Timo, je sais où ils habitent. Paola, je sais pas, mais si c'est elle, c'est bien quand même. Félicien de Grémont, je sais où son papy habite, mais lui non. À Lesdins, il m'a dit, mais je sais pas où vraiment. Simon, j'aimerais bien qu'il le gagne. Parce que Simon. Ça, pour lui, il pourrait le manger. C'est aux amandes. Bon, donc peut-être que tout le monde n'aimera pas. Donc c'est pour ça que je vais faire une offre où je vais donner en plus cette sucette et ce paquet de tête brûlée. Premier juré, je vous le garde. J'espère que vous allez noter bien sagement vos commentaires sympas et aussi votre adresse. Donc à Saint-Quentin. Donc vous aurez ça, ça et ça. Donc en cadeau. Voilà, alors essayez de mettre le plus de commentaires, mettez bien votre adresse, votre âge, votre nom, et surtout des commentaires sympas, et n'hésitez pas à partager la vidéo. Allez, c'est la fin de cette vidéo, et bonne journée à tous!